Bonjour à tous. Alors, cette semaine, nous continuons notre petite échappée dans les revolvers en 357 Magnum. Alors, de façon, encore une fois, tout à fait arbitraire, aujourd'hui, ce sera le Ruger Security 6. Alors, il a une bonne grosse gueule de vaquero ou de trucs très vintage, très cow-boy. Encore une fois, c'est du 357, enfin, il me semble, Magnum, oui, tout à fait. C'est du 357 Magnum et on va tester ce que ça vaut avec, encore une fois, 5 petites cartouches. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, hausse réglable, gros guidon, déjà ça, ça a tendance à me plaire. La poignée est très ronde, mais bon, je ne suis pas extrêmement fan. Très grosse queue de détente. Ah ouais, alors là, il est réglé visuel haut, mais alors très haut. Hein. Vous voyez la cible sur laquelle je vous avais fait le point, là, il y a 30 secondes, est 25 cm au-dessus de celle que j'ai touchée en plein centre. C'est-à-dire, là, tu vises la tête d'un mec, tu lui touches le gros doigt de pied. Oui, parce que, alors, je dis pas ça pour vous encourager à quelques formes de violence que ce soit. Simplement, ce revolver a été prévu normalement pour des forces de sécurité, je suppose. Bon, bah, on va continuer comme ça, hein, ma foi. Quoi ? Même point de visée, et je suis quasiment centre cible, mais un peu à droite. De la cible que je vise, et pas de la cible que j'ai touchée tout à l'heure. Je comprends pas ce qui se passe, là. J'aime bien le déverrouillage de chez Ruger. Bon, alors, niveau sensation, c'est très sympa. C'est pas du tout comme le Smith de la semaine dernière. Là, on sent pas grand-chose. On va faire un peu de tir rapide en double action pour voir. Et là, j'ai touché. Après, les Winchester, bientôt, ça va être les revolvers qui m'aimeront pas. Oui. Bon, Mais. Il a rien de particulier. La mécanique est souple, la double action est sympa. C'est un peu taillé à la serpe, mais bon, sinon, ça va. Voilà, allez, amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, ciao!